Mesdames, Messieurs, bienvenue sur ce plateau de la télévision nationale tchadienne, un plateau autour duquel je reçois trois ministres, M. Ngueto Tchérané-Yambaye, ministre de l'économie et de la planification du développement, Mme Madeleine Alingué, ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, et M. Assergan Marsilek, ministre des productions, de l'irrigation et des productions agricoles. Bienvenue, mesdames, messieurs les invités. Merci. Alors, avec mes invités, il sera question de parler de la table ronde qui s'est tenue du 6 au 8 septembre dernier à Paris, en France, pour la mobilisation des ressources pour le financement du plan national de développement 2017-2021 et aussi du plan national de développement lui-même et d'autres questions subséquentes. Vous vous en souvenez, le 6, 7 et 8 septembre dernier, c'était une grande mobilisation des partenaires techniques et financiers de tous les Tchadiens à Paris, en France, pour vendre les potentialités qui existent au Tchad. On peut d'emblée dire que ça a été un franc succès, compte tenu de la participation, mais aussi du caractère participatif et inclusif du document qui a été présenté aux partenaires. Alors, Madame la ministre de la Communication, cette table ronde, c'est un événement politico-diplomatique, un exercice de communication, de persuasion. Alors, est-ce que le gouvernement a vraiment réussi sur ce plan? Merci beaucoup. La table ronde de Paris qui a recherché le financement pour le plan national de développement 2017-2021 et le succès de tous les Tchadiens, et le succès de communication, comme vous l'avez si bien dit, c'est un exercice de communication. Les Tchadiens se sont mis à l'avant de la communauté internationale, ont présenté toutes leurs potentialités, et nous avons un résultat global qui est très très positif et qui fait honneur à notre pays et qui nous permet effectivement d'être très honorés et de ressurgir justement sur une nouvelle base que nous avons. Je dirais également que cet exercice de communication est encore plus valable dans la mesure où les Tchadiens ont été capables de démontrer avec valeur, avec force, toute leur culture, toute leur force, toute leur volonté d'intégrer la communauté internationale sur un plan économique et de redynamiser complètement l'image du Tchad, l'image du Tchadien, l'image de la Tchadienne, et de tout l'effort de développement que le Tchad fait. Oui, je vais me tourner maintenant vers monsieur le ministre de l'économie et de la planification du développement, qui est aussi le coordinateur de toutes les activités de la table ronde. À la fin de la table ronde, il nous a été annoncé une bagatelle de 20 milliards de dollars. Alors nous sommes, est-ce que ce chiffre a évolué? Oui ou non, est-ce que les annonceurs, est-ce que certains ont déjà mis la main dans la poche pour traduire en acte leurs annonces? Cette table qui a été une réussite, c'est une œuvre de tous les Tchadiens, parce qu'en fait, l'engagement de tout un peuple derrière son président a permis de réussir cet exercice-là. Et étant donné que, sans distinction de secteur, donc le gouvernement, le secteur privé, la société civile, avec l'appui de la communauté internationale, nous avons pu réaliser ce que je peux appeler une victoire. Les chiffres sont là et le processus est dynamique. Parce que nous sommes allés, depuis l'élaboration de la vision 2030, le premier PND, la table ronde, qui a permis aux partenaires de se positionner, de faire des annonces. Le processus des annonces est dynamique. Nous avons passé 3 jours à échanger, à communiquer avec la communauté internationale dans son ensemble, pour qu'ils comprennent dorénavant que le Tchad, c'est un pays qui regorge beaucoup de potentialités et qu'il faut bon vivre d'investir. Le processus continue parce que d'ici lundi, beaucoup de partenaires nous suivent ici à N'Djamena pour continuer à discuter. Tout le monde n'a pas pu faire des annonces orales à Paris, mais certains ont fait des annonces écrites et ils vont suivre pour qu'on puisse signer des conventions avec les départements sectoriels.
Donc jusqu'à là, il n'y a pas une sommation précise. Ça évolue. Parce qu'aujourd'hui, dans le dernier communiqué final, nous sommes à un peu plus de 20 milliards de dollars. Donc c'était environ 11 000 milliards de francs CFA, dont un peu plus de 7 milliards revient au secteur public et un peu plus de 14 milliards revient au secteur privé. Oui, une question à M. le ministre des productions, de l'irrigation et des équipements agricoles. Le plan national de développement doit inscrire au milieu de ses activités le monde rural. Parce que quand on parle de développement, il faut répartir selon la taille de la population. Alors, quels sont les secteurs qui vont vraiment bénéficier beaucoup de ce plan national d'investissement? Merci à mon tour pour l'opportunité que vous nous offrez. La répartition, nous sommes déjà dans le PNB. Oui. La répartition a déjà été faite, un travail très fouillé a été fait avant qu'on aille à Paris. Et chaque secteur était déjà positionné dans le PNB. Les chiffres qu'on vient de vous annoncer, si vous faites une comparaison avec ce qui était attendu, les annonces ont dépassé ce que nous attendions. Je me souviens qu'on serrait la ceinture, on avait revu à la baisse nos prévisions pour dire, bon, on va proposer aux gens ce qui nous paraissait raisonnable. Les propositions reçues étant au-delà de ce que nous attendions, ça veut dire qu'il va falloir qu'au tour du ministre que nous appelons le ministre du PND, que nous nous retrouvions pour faire une nouvelle relecture, une nouvelle répartition de ce qui doit être fait, étant entendu que l'aspect global restant, le secteur rural demeure une des priorités, sinon la priorité des activités économiques au niveau de notre pays, étant entendu que nous avons tiré les leçons des échecs de tout ce que nous avons connu avec le pétrole et le trop d'espoir que nous avions mis là-dessus. Et donc une répartition va être faite, mais il est clair que le secteur rural va avoir une place de choix. Avec les nouvelles enveloppes, nous allons certainement revoir à la hausse nos ambitions. Mais je voudrais, avant de revenir sur cet aspect sectoriel, oui, ajouter quelque chose à ce que viennent de dire mes collègues. La table ronde, c'était une réussite. Honnêtement, je peux dire que j'étais personnellement agréablement surpris. J'étais au-delà de ce que j'attendais. Ce n'était pas la première table ronde qu'organise le Tchad. On n'a pas connu un tel succès auparavant. Le potentiel que nous avons mis en avant n'est pas nouveau. Ce potentiel existait avant. Quand je parle du secteur rural, quand nous parlons de nos ressources en eau, de nos espaces qu'on peut mettre à contribution, ces espaces existaient avant. Ce n'est pas donc cette réalité-là qui a mobilisé les gens. Ce qui est une de nos nouvelles, c'est la position du Tchad sur la scène internationale. C'est la position, les efforts faits par le gouvernement pour préparer le PNB, ça a été convaincant. Mais autour de cela, je voudrais vous rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, le Tchad était néant. Oui. Il était sûr qu'en ce moment-là, on ne pouvait pas se faire entendre. Maintenant, le Tchad, je me souviens, la première intervention, c'était celle du Premier ministre français. Et je pense que ce propos était assez clair, c'est que le Tchad, à la place qui est la sienne, c'est une place incontournable, c'est un partenaire incontournable au niveau de la région, au niveau même mondial, par rapport à certains enjeux, et c'est ça ce qui fait que nous sommes devenus très crédibles. Maintenant, cette crédibilité assise, il va falloir communiquer dessus, et c'est ce que nous avons réussi à faire au niveau de Paris. Donc je pense que c'était une très bonne opération. Sur le plan politique, nous avons eu le résultat, c'est les annonces qui ont été faites. Maintenant, ce qui reste à faire, les annonces étant faites, et elles se situent au-delà de ce que nous attendions, comme je l'ai dit, il va falloir que nous nous asseyons pour traduire ces annonces en réalité. Et donc, la table ronde est derrière nous, nous nous réjouissons de ce qu'on a eu comme résultat, mais le PND est encore devant nous. Et ça commence même parce que c'est 2017-2021, nous sommes en plein pied dedans. Que nous nous asseyons pour traduire tout cela en termes de projets qu'on peut proposer tout de suite à nos partenaires, en termes de mécanismes de suivi qu'il va falloir mettre en place pour ne pas que les choses aillent un peu dans le désordre, en termes de facilité qu'il va falloir, parce que nous avons pris des engagements, en termes de facilité qu'il va falloir offrir à nos partenaires quand ils vont arriver ici pour qu'ils puissent réellement se sentir à l'aise, et en termes de gains qu'ils vont avoir certainement eux, mais des gains pour nous aussi. Ça veut dire qu'en fait on va revenir à la fameuse formule: on va faire une opération gagnant-gagnant. Il faut que nos partenaires gagnent, il faut que nous y gagnions aussi.
sur le plan économique, mais sur beaucoup d'autres plans par ailleurs. Oui, le ministre de l'économie et du plan est censé connaître vraiment ce document. Alors, qu'est-ce que les Tchadiens peuvent légitimement attendre à l'issue de ce PND? Je crois que l'impact sera énorme pour la vie de la population, comme les plus hautes autorités l'ont voulu. C'est-à-dire que le PND, le gouvernement l'a fait élaborer, pas en tenant compte de la crise. C'est une nouvelle vision du développement du Tchad. C'est une nouvelle vision. Donc, au-delà de la crise, le PND allait exister et la table ronde devait avoir lieu. Aujourd'hui, l'économie tchadienne est transformée parce que le secteur privé occupe 65% de ce PND. Et comme le ministre de l'Agriculture le disait tout à l'heure, 80% de la population tchadienne, elle est rurale. Et la priorité du gouvernement aujourd'hui, c'est le secteur rural. Donc, il y a l'eau, il y a l'agriculture, l'élevage et tous les autres secteurs. Donc, nous faisons en sorte que l'amélioration de la qualité de vie de la population, qui est le quatrième axe du PND, soit réalisée. Et avant cela, l'axe 3, c'est la transformation structurelle de l'économie tchadienne. Maintenant, c'est la responsabilité des Tchadiens eux-mêmes. Les ressources sont là. Vous devez, chacun en ce qui le concerne, dans les secteurs qu'ils occupent, de pouvoir se positionner et se prendre en charge. Les projets dont le ministre disait tout à l'heure, nous sommes allés à Paris avec environ 400 projets. Il y a plus de 150 projets qui sont mûrs, donc ils méritent d'être financés automatiquement. Mais le processus est dynamique. On va continuer à faire mûrir les projets qui ne sont encore pas complétés afin de les faire financer immédiatement. Les annonces, c'est une sorte de ligne de crédit. Parce qu'on ne prête qu'aux riches. Et les gens pensent que le Tchad est crédible pour recevoir des crédits, mais à taux préférentiel. Nous avons à la table ronde de Paris, les ONG qui sont présentées ont affaire à des dons ou à des crédits au taux concessionnel, même à 1%. Ce qu'on ne peut pas trouver sur le marché national. Donc maintenant, c'est une question de responsabilité, de notre rigueur dans le travail, pour qu'on puisse vraiment bénéficier, pour que toute la population tchadienne soit informée. Et l'objectif de cette rencontre également, de se communiquer plus même au niveau national, parce que nous sommes ouverts et le dispositif de suivi et de mise en œuvre du PND est là. Et là, le dispositif est écrit, c'est soumis à la présentation de son Excellence, le Premier ministre et le gouvernement, ensuite à son Excellence, le Président de la République, pour qu'on puisse le légaliser. Voilà, la question du mécanisme de suivi, on va y revenir. Mais en tant que porte-parole du gouvernement, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport aux attentes légitimes des Tchadiens par rapport au PND, Madame la Ministre? Comme vous l'avez dit maintenant, ce succès international, ce succès du profil tchadien à l'international, nous met face à nos responsabilités. Développé un plan national de développement qui représente ce que nous voulons, ce que nous désirons comme développement pour nous-mêmes. Le Tchad que nous voulons était un message très fort et dont on a reçu énormément de réponses. Maintenant, il est à nous d'assumer effectivement ce message, cet appel que nous faisons à l'international. Et maintenant, nous devons mettre en avant notre culture de la responsabilité, notre culture du travail, notre culture des résultats, notre culture de la transparence administrative, et du bien-faire et du savoir-faire, c'est-à-dire. Donc, effectivement, la communication continue. Mais cette communication sera beaucoup plus exigeante parce que nous nous sommes mis nous-mêmes, je crois, un objectif qui est le Tchad que nous voulons. Et ce Tchad représente plus de 20 milliards de dollars, pour ne pas me... 20 milliards de dollars, plus de... Et ça mobilise absolument toutes les énergies. Et cette énergie-là, c'est celle qui va continuer, qu'on va devoir continuer à montrer au niveau international pour que cette crédibilité soit acquise, pour que cette légitimité soit acquise. Et il est de la responsabilité maintenant de tout un chacun de pouvoir travailler cela. Oui, parlant de la responsabilité des Tchadiens, l'expérience a montré que les projets et programmes ne donnent pas souvent des effets et impacts escomptés, je crois. Le chef de l'État l'a relevé lors d'une rencontre avec les partenaires techniques et financiers. Alors, qu'est-ce qui va être mis sur pied pour changer ce paradigme de gestion où on n'a pas des effets et impacts au bout de la chaîne? Parce que dans ce plan d'action de développement, il est question de financer les propres projets.
Hein, ce n'est pas une aide budgétaire, mais il faut financer les projets. Donc, il faut que ces projets réussissent. Alors, qu'est-ce qui est mis sur pied pour que cela n'arrive pas comme les projets qu'on a eu à voir passer ici au Tchad? Je crois que quelque chose la question est très claire. À qui vous voulez la prendre, hein. La question pour moi est très claire. Politiquement, nous avons la volonté d'eux. Si, cette volonté-là doit se traduire, bien sûr, en dispositifs techniques et matériels qui permettent de évaluer, de quantifier et de montrer aux gens les résultats que nous allons donner. Mais je crois que réellement, en termes de communication, notre volonté d'être là, d'être présent fort dans la communauté internationale a été démontrée. Et à partir de là, je crois que tout est possible. Si, nous venons d'une phase où le doute existait, où la méconfiance existait, mais nous avons atteint un niveau de confiance, un niveau de crédibilité qui nous permet de nous réconforter et d'aller vers l'avant. Je crois que c'est cette volonté-là qui va permettre de tout changer. Oui, monsieur le ministre, vous avez également relevé ça dans votre intervention. Alors, tirer les conséquences de gestion de projet chez nous. Et votre secteur rural, c'est le secteur qui va avoir le vent en poupe dans ce plan national de développement. Vous avez quelque chose à relever? Le secteur rural, le ministre du plan l'a dit, je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus, c'est un des secteurs prioritaires. La question que vous venez de poser concernant le projet et le peu d'impact qu'ils ont sur la vie nationale, en réalité, il s'agit des projets que nous avons connus jusque-là. Oui. C'est des projets généralement pilotes qui visent à asseoir une idée, à valoriser une façon de faire pour qu'on puisse en tirer des leçons. Je pense que le gouvernement, avant la table ronde, avait déjà eu des alertes, un travail a été fait, et je pense que des équipes ont mis en place, elles font leur travail pour évaluer ce projet et tirer les leçons de pourquoi est-ce que cela n'a pas donné le résultat escompté. Et je pense que nous avons notre petite idée là-dessus. Je ne sais pas est-ce que c'est le moment pour le dire, mais oui. Je pense qu'on a tiré toutes les leçons. C'est l'éparpillement d'abord des centres de décision pour la gestion des projets. C'est le fait qu'on multiplie de manière durable, trop longtemps, les mêmes projets pour retenir une idée qu'on aurait pu retenir déjà la première fois. Je pense qu'autour du PND, ce n'est plus ce genre de projet dont on parle. Quand on parle de projets, ce n'est pas des projets pilotes, non. C'est des projets de production, c'est des projets de transformation. C'est des projets d'investissement. Il y a une nuance quand même qu'il faut faire là-dessus. Et là-dessus, je pense que toutes les dispositions sont prises pour qu'on ne puisse pas répéter à grande échelle, c'est des projets à grande échelle, les erreurs qui ont été commises dans l'éparpillement des centres de décision, etc. Je pense que si on a tiré les leçons de tout ça, ce serait catastrophique si on doit répéter les mêmes erreurs. De ce côté-là, je pense qu'on peut rassurer nos concitoyens. Maintenant, ce que je veux dire par rapport à qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre, c'est quand on a des crédits, parce que le ministre l'a bien dit, c'est pas de l'argent qu'on va avoir dans le sac pour savoir qu'est-ce qu'on va faire avec nous. C'est des partenaires qui nous prennent au sérieux, et cet argent va être mis à disposition selon que nous leur présentons des projets crédibles ou pas. On a déjà un bon paquet de projets, le ministre l'a dit, au moins 150 qui sont bancables tout de suite, ils vont s'y engager. Le reste, c'est des projets à affiner. Au niveau du secteur rural, nous avons des efforts à faire. Les gens veulent produire, ils savent qu'on a un potentiel important sur le plan de la production agricole dans le sens large terme. Oui. Ça veut dire qu'élevage, etc. Maintenant, il y a un problème qu'il va falloir régler. Aujourd'hui, si j'ai un partenaire qui arrive, qui dit, moi j'ai des milliards, je veux investir dans tel secteur, la pomme de terre par exemple, ou le blé, ou le riz, il va falloir que je règle une question, c'est de trouver les terres à mettre à disposition. Or, nos textes sont en retard par rapport à cela. C'est maintenant que nous avons, en novembre, je crois, le texte, nous l'avons déjà préparé, il va passer en conseil de cabinet et du ministre, il va être proposé à l'Assemblée. C'est la loi d'orientation agricole qui va déterminer le foncier agricole. Pas le foncier de manière générale, mais le foncier agricole. C'est-à-dire qu'il va falloir que dans les terres arables, nos communautés aient des terres à disposition pour produire. Mais il faudrait que le gouvernement ait la possibilité d'affecter des terres aux investisseurs qui veulent produire. En plus de la production, nous ne pouvons pas nous limiter aux matières premières. Nous nous inscrivons, je pense que c'est dans les préoccupations du PND, nous nous inscrivons dans une logique de produire, mais transformer et commercialiser.
Mais tout cela suppose qu'il y a des efforts à faire sur tous les segments de la production. Ça concerne tout le monde, y compris l'agriculture familiale, la transformation. Ça suppose déjà des petites et moyennes entreprises qui vont se mettre au travail, la commercialisation. Ça suppose qu'il y a des voies d'évacuation, il y a des routes, il y a des chemins de fer, il y a énormément de choses, tout est indiqué. Et je pense que la vision au niveau du PNL, elle est globale. Et nous pensons que si réellement nous sommes à la hauteur, et je pense que nous serons à la hauteur, il faut que chaque Tchadien, en ce qui le concerne, se comprenne qu'il doit se prendre en charge. Pour le secteur rural, je vais insister sur quelque chose que j'ai toujours relevé, c'est que les Tchadiens ont été habitués pendant longtemps à la facilité ou gratuit. Il va falloir qu'au niveau de nos producteurs, ils se rendent compte qu'ils doivent se prendre en charge, que tout ce qu'on mettra à leur disposition, il va falloir qu'il y ait des possibilités de recouvrement pour que le gouvernement puisse le répliquer. Autrement, la chaîne va s'arrêter. Donc, fini l'État-providence. A fini l'État-providence. Et c'est la raison pour laquelle le ministre tout à l'heure a insisté pour dire qu'en fait, 75% c'est le secteur privé, et nous pensons que c'est le secteur privé qui va s'impliquer fortement dans la production, dans la transformation, dans la commercialisation. Il a prouvé qu'il sait le faire mieux que l'État. Oui, je voudrais, si vous me permettez, parce que vous réagissez sur la question de gestion de projet. Oui. Il faut noter qu'il y a 3 mois déjà, quand les instructions nous ont été données, par un arrêté du Premier ministre, une mission interministérielle de suivi et d'évaluation de tous les projets du Tchad est à pied d'œuvre. C'est vous dire que le gouvernement a essayé de se remettre en cause. Nous avons réfléchi pour avoir une nouvelle démarche de conception, d'élaboration et de gestion de projet. C'est dans ce sens que cette mission va évaluer tous les 200 projets qui sont en tout cours d'exécution au Tchad. C'est pour nous permettre de voir quel est l'impact de chaque projet sur la vie des Tchadiens. Les projets qui ne sont pas performants seront simplement clôturés. C'est pour permettre de redimensionner et permettre au gouvernement d'avoir une bonne maîtrise de la gestion des projets. Nous avons une nouvelle philosophie de l'élaboration des projets. Et comme le ministre le disait, les anciens projets sont les anciens projets dus à une ancienne conception. La nouvelle philosophie a évolué. Donc, on va redimensionner les projets en cours. Et la différence avec les projets du PND, c'est des projets conçus par les Tchadiens eux-mêmes. Les projets dont je parle ont été réfléchis, conçus, élaborés par les Tchadiens eux-mêmes et qu'on a amenés à Paris sur la place du donner et du recevoir. Donc, les projets qui sont convaincants, qui sont l'initiative des Tchadiens, ont été approuvés, validés par les partenaires qui vont les financer. Et ces partenaires, et comme ce n'est plus l'État-providence, ils ne jettent pas leur argent par la fenêtre. Absolument, donc, c'est pour vous rassurer que les dispositions gouvernementales ont été prises pour pouvoir repenser toute la gestion du projet. Et c'est l'occasion que tous les coordinateurs de projet sachent que des missions vont les visiter pour pouvoir les amener à rendre compte. Et si les projets ne sont pas performants, ils seront purement simplement clôturés. Oui, je voudrais encore parler un peu de mécanisme de suivi, hein. Parce que ce PND a été un document participatif inclusif. Alors, ce mécanisme de suivi, est-ce que ça va suivre le même chemin ou bien c'est le gouvernement qui va s'en occuper? Parlez-nous concrètement de ce mécanisme. Comment ça va fonctionner? Le gouvernement a essayé de réfléchir avant d'aller à Paris. Vous constatez que dans le document du PND lui-même, le dispositif de pilotage et de suivi de l'évaluation existe. Et il nous reste seulement à l'autorité gouvernementale de le formaliser en arrêté ou en décret du président de la République. Dans ce dispositif, tous les acteurs font partie du dispositif de suivi et évaluation et de mise en œuvre. Donc, il y a les acteurs publics représentés par le gouvernement, le secteur privé est représenté, les acteurs de l'économie sociale, donc représentés par toutes les organisations de la société civile, sont là, et aussi les partenaires techniques et financiers qui accompagnent le Tchad. Donc, ce dispositif a 4 dimensions, existe et sera formalisé très rapidement. Et c'est l'occasion dans ce dispositif de suivre de manière très rapprochée. Le comité technique va le suivre très rapproché. Il y a un haut comité interministériel présidé par le Premier ministre qui va le suivre de manière trimestrielle. Donc, c'est un travail qui se fera au niveau central et au niveau de la périphérie dans les provinces. Donc, c'est pour confirmer la participation et l'inclusivité du processus du PND. Donc, ce n'est pas seulement dans l'élaboration de documents, mais dans sa mise en œuvre, dans l'évaluation, on le fera tous ensemble avec tous les acteurs du Tchad. Ok,
Oui, on a aussi constaté que le secteur privé s'est taillé la part de lion, comme je l'ai dit. Et quand on parle de privé, ce n'est pas de la charité, c'est aussi la recherche de profit. Et on a aussi constaté qu'au Tchad, il y a certains opérateurs économiques véreux. Est-ce que le cadre est vraiment assaini pour que tous ces investissements-là, le Tchad, ou bien le Tchad puisse trouver des dividendes, que ce soit du côté du secteur privé que du secteur public? En fait, le privé ne s'est pas taillé la part du lion comme ça parce que c'est le président de la République qui a voulu que ce soit ainsi. Si on veut transformer notre économie, il faudrait promouvoir le secteur privé. Et la question de responsabilité, maintenant que la perche est donnée au secteur privé, il faut que le secteur privé mérite cette confiance du président de la République. Dans le secteur privé, il y a le secteur privé tchadien et il y a le secteur privé international aussi. Donc, dans les investissements privés, nous avons ce qu'on appelle les investissements directs étrangers. Le gouvernement a mis toutes les facilités à tous les investisseurs qui veulent s'installer et créer une usine clé à main au Tchad. Ils sont la bienvenue. Le secteur privé tchadien également, à travers la loi partenariat public et privé, doit se positionner pour pouvoir mieux créer des PME et des PMI, mieux créer de la richesse et créer de l'emploi. Parce que, en fait, aujourd'hui, quand on a dit que l'État entrepreneur va disparaître, il faudrait que l'emploi soit créé par le privé national et international au Tchad. Et la richesse nationale également doit être portée par le privé. Si le privé se porte mieux, les finances se porteront mieux à travers la fiscalité. Dans la nouvelle stratégie du PND, il faudrait que payer l'impôt, ça soit une fierté nationale. Parce que c'est à travers les taxes que le privé verse que le gouvernement finance le développement du Tchad dans les ressources domestiques. Donc maintenant, le travail que mon collègue du ministère de l'économie et des finances est en train de faire, c'est d'élargir l'assiette fiscale, augmenter la population des contribuables pour que chaque contribuable soit fier d'avoir payé l'impôt et ces ressources vont augmenter et permettront au gouvernement de se positionner dans sa mission régalienne. Oui, madame. Un mot par rapport à ce que vient de dire monsieur le ministre, vous êtes porte-parole du gouvernement. Je crois que quand on nous décrit tous ces instruments, tous ces mécanismes, tous ces éléments de contrôle qui permettent de donner un résultat positif, c'est ça qui va nous permettre à nous d'aller vers ce que nous cherchons, ce Tchad que nous voulons. Ces éléments-là doivent être appropriés par la population. Ces éléments-là doivent être compris d'une manière à ce que ça développe notre capacité, justement, de rendement, de résultat et de fierté nationale. Nous sommes une nation en construction, on nous donne des éléments de réflexion qui nous permettent de nous fortifier, de renforcer notre capacité. Donc je crois que ces éléments-là sont ceux que nous pouvons effectivement baser notre confiance pour aller vers ce que nous recherchons. Quand on parle de secteur, d'éléments participatifs, c'est cette image-là que nous voulons. Le Tchad que nous construisons est un Tchad démocratique, est un Tchad inclusif, est un Tchad qui est transparent, est un Tchad qui est administrativement viable, si, avec tous ses secteurs en plein travail pour pouvoir lui donner l'image que nous recherchons. Nous venons, nous, dans notre histoire, le Tchad, avec une communication qui ne nous était pas propre. Maintenant, le PND, le moment même de notre histoire, nous permet de nous approprier de notre image, de construire l'image que nous avons réellement, de montrer à nous-mêmes et au monde entier les valeurs et la capacité que nous avons. Oui, monsieur le ministre. En fait, vous parlez du secteur privé qui se serait taillé la part du... Oui, 13 milliards sur les 20. En termes d'annonce, c'était ça? En termes d'annonce, oui. Mais en réalité, le ministre l'a dit, en réalité, au niveau du gouvernement, on s'est posé énormément de questions, il y a des remises en cause qui ont été faites. Le constat que l'on fait, c'est que durant toute la vie de notre pays, on s'est rendu compte de manière empirique, on s'est rendu compte que le secteur public n'a pas vocation à gérer des entreprises, à produire. Je peux vous citer mille et un exemples. Le dernier en date, c'est la Sodela. Personne ne pouvait s'attendre, surtout même à l'étranger, personne ne peut s'expliquer comment une structure de production autour du lac Tchad,
qu'une terre de production par excellence puisse échouer. Nous avons réussi le tour de force à faire de cela un échec. Et ça, c'est un exemple que je me suis écrit. On peut citer 1000 exemples. La Sodela, la Coton Tchad, Badelel, Sotel Tchad, où on n'a pas une matière première à mettre là-dedans. Badelel. Et donc, la conclusion qu'on a tirée, c'est que l'État a intérêt à se désengager de tout ce qui est gestion d'entreprise. On laisse ça à ceux qui savent le faire mieux que l'État. C'est leur profession. Et donc, ce n'est pas que le privé s'est taillé la patte du lion. On s'est rendu compte que le public avait pris une trop grande place dans l'économie et qu'il serait plus sage de replier un peu et de laisser la chose se faire par ceux qui savent le faire mieux que nous. C'est ce constat qui a conduit à ce que vous remarquez là. Maintenant, quand on va revenir à une économie réelle où c'est la compétition qui va être de mise, les verrous n'ont pas leur place. Le verrou ne trouve leur place quand il y a des choses pas très claires. Quand il s'agit d'investir, de faire des efforts, de produire pour générer des richesses, les verrous vont être éliminés par eux-mêmes. Je pense que ce faisant, nous pouvons avoir un mécanisme très transparent où les gens vont investir, les gens vont produire, les gens vont travailler, ils vont transformer, ils vont créer des richesses et tout le monde serait gagnant. On va créer des opportunités en termes de travail et je pense que tout le monde aura sa place là-dedans. Il y a un bénéfice qu'on avait évoqué au niveau de Paris et je pense que c'était un élément important. Oui, il s'agit simplement du gain en termes d'argent. Exact. Que les partenaires peuvent gagner ou que nous pouvons gagner. Vous savez, il y a des préoccupations qui intéresse tous nos partenaires. Une préoccupation qui a fait l'objet d'une rencontre qui a précédé le PND, la table ronde. Le Tchad, le chef de l'État, a participé à un sommet au niveau de Paris où il est question de comment maîtriser le flux migratoire vers l'Europe. Oui. Vous avez le Tchad, le secteur rural, c'est 80% de notre population. Si vous créez du travail, si vous arrivez à des activités génératrices de revenus, si vous maintenez donc 80% de la population, vous les occupez à faire un travail où ils peuvent se prendre en charge. C'est 80% de la population que vous retenez des tentations de radicalisation. Donc recours au Boko Haram, autres extrémismes, vous limitez cela. C'est 80% des gens que vous retenez des tentations d'émigrer vers l'extérieur. Nous ne sommes pas un pays d'émigration, Dieu nous en garde, nous ne voulons pas le devenir. Donc quand on investit dans ce secteur, en fait, on gagne de l'argent, c'est vrai, que ce soit pour le pays ou pour les investisseurs, mais d'une autre manière, on investit dans des problématiques, à régler des problématiques qui préoccupent tout le monde en ce moment. Et c'est ce qui fait, je crois, que la démarche du Tchad va intéresser plus d'un, en plus du gain de l'argent en tant que tel, il y a quelque chose d'autre qu'on peut faire. Exactement. Un intérêt communautaire. Oui. Je voulais compléter le ministre parce qu'en fait, c'est pas seulement les ressources financières qu'on avait besoin au PND. La transformation structurelle de l'économie tchadienne et l'économie tchadienne qui attire aujourd'hui et dont la communauté internationale fait confiance va au-delà de la dimension matérielle et financière. Et comme le ministre l'a dit, dans le PND, on a prévu des structures de proximité. Pour pouvoir éviter l'exode rural et la migration, par exemple, on a pensé créer des marchés de proximité, même dans les milieux ruraux. Nous avons pensé pourquoi des grands villages ne peuvent pas avoir leur propre marché. Au lieu que ce soit les paysans, les éleveurs qui quittent la campagne pour venir en ville vendre leurs biens, on va inverser la tendance pour que ce soit les gens de la ville qui aillent vers le rural parce qu'il faut créer de ces marchés. Et à côté de ces marchés, il faut aussi créer des centres culturels pour que la jeunesse s'exprime. Donc nous avons une jeunesse très jeune et il faudrait la maintenir sur place, mieux l'éduquer, qu'elle s'exprime comme elle veut. Donc ça suppose que le fait que l'économie tchadienne soit complètement sous-financée, comme le ministre dit, 80% est rural, mais toutes les banques de la place ne financent pas le monde rural. Quel est le paysan qui a accès au crédit bancaire ici au Tchad? Non. Nous avons prévu des dispositifs, un mécanisme de financement de l'économie rurale et agricole. D'ici janvier, je pense qu'on va lancer le crédit agricole du Tchad et à la banque des innovations, donc la banque pour appuyer les jeunes, et un fonds alternatif de soutien à l'entrepreneuriat et au commerce. Tout ce dispositif nouveau permettra au gouvernement de financer l'économie réelle et pour que la jeunesse tchadienne, les jeunes filles et les femmes soient vraiment responsables et contribuent efficacement au développement du Tchad. Vous savez, l'agriculture, les paysans tchadiens travaillent 6 mois sur 12. Donc,
Le reste de l'année, c'est autre chose. Donc, il faudrait également gagner ce temps-là. Comment faire que les paysans puissent travailler toute l'année? Le ministère de l'Irrigation. Par la maîtrise de l'eau. Oui. Exact. Parce qu'en réalité, vous savez, nous travaillons, comme je l'ai dit, 6 mois sur 12. Dans certaines régions, 3 mois sur 12. Dans les préoccupations au niveau du département de l'agriculture, je dis encore dans le sens large du terme, oui, oui. Il s'agit en fait de maîtriser l'eau d'abord pour la rendre disponible et permettre aux paysans de travailler toute l'année. Au lieu de travailler 3 mois, ils travaillent 6 mois. Ça veut dire qu'on augmente sa production et donc ses revenus. Ça voudra dire aussi qu'il va falloir transformer. Ça voudra dire aussi qu'il va falloir commercialiser. Et donc, le plan quinquennal de développement de l'agriculture, qui en fait se retrouve maintenant décliné dans le PND à travers ses différentes activités, prévoit tout cela. Et ce que le ministre vient de dire, il est prévu la mise en place de 3 agropoles. Et on est à une première phase, ce qui veut dire qu'après le PND, les 5 ans, il peut être permis d'envisager d'autres agropoles. Les agropoles, c'est la traduction de ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire que c'est un centre intégré où toute la production se fait, la transformation se fait, les marchés autour, les activités culturelles et éducatives autour. Et je pense que ça va être un tchat nouveau, comme on dit le tchat que nous voulons. Nous rêvons, mais nous pensons que ce rêve va devenir réalité. Nos partenaires ont donné le gage en traduisant la confiance qu'ils ont vis-à-vis de notre pays. Je pense que nous avons l'obligation d'être à la hauteur pour que l'apport des partenaires joint au rêve se transforme en réalité. Oui, madame. Oui. Je voudrais rebondir un peu sur cette idée de la disponibilité aussi, de nos partenaires internationaux, nationaux, de la disponibilité du Tchad pour pouvoir s'ouvrir à cette nouvelle opportunité. Lors des discussions et lors des conversations, le chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, nous a rappelé un mécanisme ou un comportement qui était récurrent au niveau des relations que nous avions avec nos partenaires internationaux. Nous avions des promesses, si, les promesses généralement sont faites, mais de temps en temps, le suivi et la mise en application de ces promesses n'étaient pas toujours obtenus, même par nos partenaires internationaux. Si. Donc bien sûr, on ne mange pas des merci, comme l'a dit, si bien dit notre président, on ne mange pas de merci, et c'est vrai qu'on ne mange pas de merci parce que nous-mêmes, nous devenons exigeants vis-à-vis de la communauté internationale. Nous devons transformer nos comportements, nous devons transformer notre attitude, notre langage, nos messages au niveau de l'international, pour également les contraindre, eux, à comprendre que nous sommes un acteur incontournable. Et nous le sommes. Nous le sommes au niveau de la sécurité interrégionale et internationale, nous le sommes en termes de lutte contre le terrorisme, nous le sommes dans notre négociation pour le contrôle du flux migratoire, et nous le sommes maintenant sur notre propre économie. Et je crois que c'est vraiment le message clair qu'il faut qu'on essaye de transmettre, c'est que maintenant que nous sommes un acteur, nous pouvons nous contraindre également à respecter cet acteur qui est le Tchad, et qui, avec tous les dispositifs qu'on prend, et d'égal à égal. Si, et ça, je crois que c'est vraiment ce nouveau, un moment nouveau, une volonté nouvelle, une détermination nouvelle qui va nous permettre d'avancer et de mettre en application ce PND. Oui, merci beaucoup, mesdames et messieurs les ministres. 20 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent quand même pour 4 ans. Est-ce que le Tchad a vraiment la capacité d'absorption de ce fonds? Bon, je pense que c'est même pas beaucoup, parce que j'ai dit que l'économie tchadienne est sous-financée. J'ai dit qu'aujourd'hui, toutes les institutions financières ne travaillent qu'avec 20% de la part de l'économie résidente, donc c'est l'économie secondaire et tertiaire, et l'économie citadine, si vous voulez. Mais tous les 80% du poids de l'économie, qui est rurale et agricole, ne reçoit aucun crédit. Et on ne peut être riche que par le crédit. Donc la nouvelle tendance, c'est vouloir financer la bonne partie des Tchadiens qui n'ont pas accès au crédit. Le taux de bancarisation de l'économie tchadienne est le plus bas. Et tant que tu n'as pas un compte bancaire, tu n'as pas accès au crédit. Et c'est un cercle vicieux. Donc, la nouvelle stratégie consiste à mettre des ressources pour pouvoir donner des crédits aux entrepreneurs ruraux, que j'appelle, c'est les paysans, donc c'est les éleveurs, les agriculteurs, les entrepreneurs ruraux. On veut vraiment créer autant d'emplois dans le monde rural. Aujourd'hui, si l'économie réelle ou l'économie agricole du Tchad est financée,
On ne parlait même pas de chômage, parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent créer leur propre entreprise dans le milieu rural, mais n'ont pas accès aux ressources financières. C'est pour ça que le PND, 20 milliards de dollars, ce n'est pas beaucoup, ça ne va même pas créer de l'inflation. Vous savez que si le dispositif est mis en place, ces ressources vous seront absorbées sans problème. Et remarquez que nous avons un grand marché en face du Tchad, c'est le Nigeria. Si seulement ce secteur privé tchadien développe encore un secteur privé rural et agricole, on a en face, si seulement on peut avoir 10% du marché du Nigeria, on peut tout écouler sur le marché. Donc la production nationale, ce n'est pas seulement pour la consommation nationale. Une partie sera consommée ici, mais l'autre partie sera aussi exportée pour pouvoir améliorer la balance commerciale et la balance de paiement du Tchad. Donc nous avons une autre opportunité, c'est le marché du Nigeria. On ne cherche même pas à aller trop loin en Europe, mais un grand marché des grands consommateurs, c'est le Nigeria. Et il faudrait que tous les secteurs privés tchadiens puissent être conscients que vendre au Tchad, c'est bien, mais exporter pour avoir plus d'argent en devise, c'est mieux. Alors, il y a une autre question, parce que depuis le retour de la table ronde, les Tchadiens s'agitent. Est-ce que ça va être la fin des fameuses 16 mesures? Est-ce que c'est la santé financière des trésors publics? Il y a beaucoup de questions que les Tchadiens se posent. Alors, concrètement, il faut quand même lever cet équivoque. Est-ce que c'est une aide budgétaire ou bien les Tchadiens vont devoir attendre les dividendes du PND pour voir les embellis au niveau des trésors publics? Oui, en fait, comme je disais en introduction, la table ronde, c'est un processus dynamique. Mais ce n'est pas un coup de bâton magique pour que, juste après la table ronde, que toutes les ressources soient décaissées. Il y a des conditions. Donc, nous continuons notre dialogue. Et le processus a commencé. Certains partenaires sont prêts. D'ailleurs, certains arrivent demain pour pouvoir voir dans quelle mesure ils vont décaisser. Nous avons demandé à ceux qui viennent discuter directement avec les sectoriels, avec le secteur privé, pour voir comment ils vont signer certains accords techniques pour pouvoir débloquer ces fonds. Mais sachez que c'est la table ronde et le PND, c'est le financement par projet. Même quand bien même, dans ces 20 milliards de dollars, une bonne partie, c'est les dons. Une bonne partie, c'est les dons. C'est les dons aussi pour les projets. Mais dans ça aussi, il y a le fait que le Tchad, les gens font confiance à notre pays, il y a des aides budgétaires aussi qui sont prévues. Parce qu'au sorti d'une crise, nous avons besoin, pour relancer l'économie, d'injecter la liquidité. Donc, nous travaillons sur le processus pour injecter la liquidité, payer la dette intérieure du Tchad pour pouvoir relancer les activités des entreprises. Donc, c'est un processus dynamique et cohérent. Donc, rien ne s'improvise, mais il faut que nos compatriotes attendent. Mais le processus est lancé, certains partenaires sont prêts à décaisser, mais nous-mêmes, nous sommes en train de faire des efforts en interne. Les 16 mesures dont vous parlez, c'est un processus d'ajustement interne. Prise par le gouvernement lui-même au regard de la chute des prix des matières premières du pétrole. C'est des ajustements courageux que le gouvernement a pris, mais ça va se limiter dans le temps. Effectivement, donc, je pense que suite à cette table ronde, le fait que la communauté internationale fait confiance au Tchad, bientôt, je pense que les 16 mesures seront un souvenir lointain. Oui. Je voudrais reprendre pour mon compte une expression que je trouvais extrêmement importante dans mes yeux, à la table ronde, c'était celle qui consistait à dire qu'au bout du tunnel, il y a la lumière. Nous sommes dans une situation de crise. Avec le PND, après la table ronde, je pense que les choses sont plus claires. Nous avons la conviction qu'on va être au bout du tunnel et qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Mais il y a encore des efforts à faire. Il ne faudrait pas que les gens, je le dis au début, les facilités, il faut que définitivement on comprenne que ce n'est que par l'effort qu'on peut s'en sortir. Exact. Nous sommes dans des difficultés, c'est vrai, en ce moment, ce n'est pas un coup de baguette magique et la table ronde n'est pas un coup de baguette magique. Les annonces sont faites, c'est parce que les gens nous ont fait confiance qu'ils ont fait ces annonces. Et c'est parce qu'ils nous ont fait confiance qu'ils peuvent être prêts à nous accorder des facilités, le ministre l'a dit. Des aides budgétaires pour nous permettre de passer le cap, mais les aides budgétaires, c'est une aide qui vous permet pour un temps de régler des problèmes. Le but de rechercher à terme, c'est qu'à travers ces activités qui vont être lancées, à travers ces projets qui vont être lancés, à travers ces investissements, il faudrait que le Tchad puisse générer lui-même suffisamment de recettes pour se passer des aides budgétaires, pour se passer des dons. Absolument. Et nous rêvons du jour où ce serait plutôt le Tchad qui va devoir aider
des gens qui en ont, besoin. C'est possible. C'est possible. En attendant, ce qu'il faudra faire, c'est nous mettre au travail pour concrétiser cette confiance annoncée par nos partenaires. Nous pensons que nous avons le moyen de le faire. Mais pour cela, il faut que nous soyons très rigoureux, chacun en ce qui le concerne. Ce n'est pas seulement au niveau du gouvernement. Chacun en ce qui le concerne, là où il travaille, il doit faire preuve de rigueur dans ce qu'il fait au quotidien. La reddition de comptes. Pour pouvoir se prendre en charge. Oui. Et je pense que nous pouvons le faire. Au bout, nous avons, je pense que ce ne sera pas un rêve, un avenir radieux devant nous. Non, je rebondis rapidement parce que le ministre dit, parce que, en fait, dans le PND, le gouvernement a engagé des processus, en fait, des réformes structurelles et institutionnelles, hein, parce qu'ils sont en cours. Mais en particulier, les réformes structurelles pour amener les Tchadiens à gasper moins, à ne pas perdre trop de temps. Parce que, comme c'est le secteur privé qui a la une, les Anglais disent time is money. Il ne faut pas perdre du temps. L'administration publique doit s'assumer. L'administration publique est au service des usagers et des contribuables. Donc chacun doit prendre ses responsabilités pour que l'administration publique tchadienne ne doit pas être bloquée en son sein et aussi bloquante pour les autres. Donc c'est ça le processus de réforme que le gouvernement a engagé pour que l'attitude vis-à-vis du bien public soit bien comprise. C'est ça qui est important parce que le bien public, il ne faut pas le gaspiller. Et les réformes en cours pour améliorer le climat des affaires, pour que les investisseurs soient à l'aise et ne pas perdre trop du temps. Donc le gouvernement a créé l'agence l'ANI, qui est en train de faire des efforts pour améliorer le climat des affaires et puis réduire le temps de création des entreprises. Donc ça, je crois que le processus continue. Comme le ministre l'a dit, bientôt, d'ici la fin de l'année, je crois que tout sera clair pour tout le monde et il faut beaucoup d'efforts, il ne faut pas baisser les bras. Nous devons encore travailler plus pour mériter ce que nous voulons. Mon mot de la fin, c'est un message d'espoir et de fierté nationale. Parce que ce résultat probant de la table ronde de Paris, l'engouement de la participation, parce qu'il y était quand même plus de 800 personnes qui sont venues par cette table ronde, et comment nos compatriotes ont suivi cet événement avec fierté, parce que c'est le fruit d'un travail collectif, d'une implication de tout le monde dans ce processus porté par le président de la République. Et aujourd'hui, on peut dire avec force que l'espoir est là, le leadership du gouvernement étant là, les Tchadiens doivent se sentir fiers. L'union fait la force. Ce résultat, c'est un résultat du président de la République et de tout le peuple tchadien. Et je pense que beaucoup sont passés nous voir au ministère pour nous remercier et remercier le président de la République. Je crois que c'est un message d'espoir et de satisfaction. Les Tchadiens peuvent faire encore plus parce que c'est une cause nationale. Vous savez, c'est comme si quand les Sao vont jouer à l'extérieur. Nous sommes tous mobilisés devant la télé. On se discute parce qu'on voudrait absolument que l'équipe nationale gagne. Donc, comparé à la table ronde, ce processus-là, ce résultat comme était une cause nationale et une victoire de tout le peuple tchadien. Mm-hmm.